Bonjour le monde, ici c'est Noobiou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Cœur d'Or au défi Nuzlocke. Et je sais même pas si j'ai soigné les Pokémon, si ça va. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour donc Pokémon défi Nuzlocke. On se retrouve à... je sais pas quelle ville... Comment s'appelle? Olivier, c'est ça, Olivier. C'est comme Olivier Tom sans... et Tom. C'est Olivier quoi, c'est... voilà. On repassera pour les mauvaises blagues. Donc, je vous fais le pitch d'un peu de l'histoire. Hein, parce que j'ai un peu avancé, parce que bon, sinon c'est un peu chiant. Donc j'ai fait la route. Hein. Là, on a rencontré le rival qui nous a dit que le champion était pas là, qu'il était pas content parce qu'il était pas là. Et du coup, on sait que... je sais plus pourquoi, comment on sait, mais on sait que le champion est au phare. Putain, il y a une blague pourrie. Oh non. Vous savez qui est le phare? Il est à On, parce que c'est le phare à On. Pardon. C'est le phare à On. Il s'appelle On, le mec. C'est le phare à On. Jamel Debbouze sort de ce corps. Ah non, ça, faut regarder la fin du... de Astérix Mission Cléopâtre. La fin avec Jamel Debbouze qui s'énerve sur la blague. Enfin bref. Du coup, on va faire le phare en entier aujourd'hui. Avec autre chose après, je sais pas. Peut-être, on verra. Et je n'ai pas entraîné mes Pokémon, pas du tout. Enfin, peut-être qu'ils sont de niveau 30, mais bon, c'est pas voilà quoi. Et je vais mettre juste l'objet à carpette. Ouais, l'objet à carpette. Pire Staz. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc aujourd'hui ça va être du combat mais à gogo quoi, ça va être du petit combat de merde, tu vois. Enfin, petit combat de merde je sais pas parce que je sais pas quel niveau ils sont. Mais sinon ouais ça va quoi. Gentleman, D'ailleurs c'était dans quelle version d'ailleurs? Merde, je sais plus. Il y avait une version de Pokémon, je crois que c'était blanc et noir je crois. Ils ont fait des putains de vannes sur... enfin, ils ont mis des personnages au nom du Caresser Raison. Je sais pas si c'est fait exprès du tout, mais genre, il y a un Gentleman Ridge qui s'appelle. Il y a... comment ça s'appelle? Une infirmière Drusilla et Ashley. Oh putain, merde. Ouais, va falloir que je change de Pokémon du coup. Ça va pas aller. Ouais, ils ont fait un putain de... enfin, je sais pas si c'est fait exprès, je me demande. Enfin, on s'est demandé avec des potes, mais... on sait pas, mais la ressemblance c'est dingue. Parce que le Gentleman Ridge, les deux infirmières Ashley, je crois qu'il y a un médecin Brad, je crois. Brett, je sais plus. Enfin, ils ont dû bien s'éclater dans la traduction, les Français, là, de Nintendo. Enfin, bref. Je sais pas pourquoi je parle de sang, en plus. C'est pas grave. Enfin bref. Ah là 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 là. Oui, de toute façon, je demande mon numéro de téléphone à tout le monde, alors on va se faire foutre, hein. Ah là là. Ah, pourquoi t'attends? Non, ta gueule, je veux pas te parler, j'ai fait un truc de plus. D'où? Allez, après, on va faire se battre contre tout le monde, quoi, sérieux. Ah là là. Bon, sur le numéro 22, ça va pas être trop difficile. Quelque chose de connerie. De toute façon, là je vais faire comme si c'était une arène. Là, hein. Je vais aller voir droit qu'il y a deux sorties de phare, on va dire. Entre guillemets. Hein. Sinon, c'est trop facile. Bon, regarde, niveau 18 le Pokémon. J'ai 10 niveaux de plus. Qu'est-ce que je fasse? Enfin, qu'est-ce que tu fasses plutôt? Débile! Oh, je clash. Pika pika. Je m'étrangle aussi. Pika pika. C'est pas grave. Bon, petit A contre El Planta, contre la Planta, ça ira, non? Normalement, hein? Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai rien préparé, hein. Rien du tout. C'est de la Wall Again de Butterfly. Normalement, je prépare un peu le terrain, je vois ce que je vais faire un peu. Là, j'ai dit que je ferai le phare en aveugle, on va dire. Bah, je le fais en aveugle, et puis c'est tout. Je sais pas si ça va rendre intéressant, je sais pas du tout. Puis on verra bien plus tard, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, hein.
Alors normalement, il n'y aura plus de, aussi de bugs comme la semaine dernière sur avec Camtasia. Là, j'utilise un autre logiciel, ça a l'air beaucoup mieux normalement, j'ai pas eu de problème. Normalement. Non, mais Hypnose, Hypnose ta mère, ouais. Sa mère. Normalement, Hypnose, on dort pas quand c'est Hypnose, normalement. On est un peu somnambule, on fait ah là 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 là. Enfin, on est un peu sous le contrôle du mec, on dort pas, quoi. Après, si nos hypnoses et qu'après ils nous disent tu dors, oui, là on dort, mais là, c'est pas. Putain, encore, Oh, deux, je suis une pute. Je n'emmènerai tout le monde, quoi. Genre. On va refaire un combat, ouais, dans ta mère. Oh, lâche. Bah oui, bah vas-y. Bah oui. J'ai même pas parlé, tu crois que je me moque de toi? Je t'ai rien dit? Allez, 5 roucoules, cool, allez, vas-y, on parie combien? Oh putain. Ah, sérieux? Putain, je prends de nid! Allez, nid, go! C'est trop drôle. Pardon. Vive attaque, oui, bah oui, évidemment, oui, ça ira. Bouhaha! Bouhi! Je vends vue. Lol. Cyclone. Je te flore. Acide dans ta gueule. Oula. Je crois que ma voix ne veut plus faire un. En mode Brenda, il veut plus. Ah, il veut plus. Je sais pas, je comprends la faire, donc. Bon, peut-être que je vais le pigeon, en fait, je sais pas. Allez, en itolang, tu vois, je sais pas Pokémon électrique, ça m'énerve. J'ai bien Magnéti, mais je vais pas utiliser avant en perpète. Bon. Sérieux. Ah là là. Peut-être qu'on sera le champion de l'arène dans les fougères en bas là. Je sais pas quel niveau il est, mais c'est pas grave. C'est pas important. Je sais pas, est-ce que c'est Irisia, je crois. Je sais plus. Point n'importe. Bon, si vous pouvez crever, ce serait pas mal, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein, tu crèves vite. Hein, on passe vite à la suite. Hein, parce que les 5 Pokémon Roucool, ça va, quoi. Oh, putain, j'en étais sûr, c'est comme les Magikarp, quoi, sérieux. Sérieux, t'es un ornithologue. T'es un passionné de piaf. Genre, les piafs, c'est ta passion. Mais tu collectionnes les Roucool, genre les piafs de base. Pareil, un pêcheur, ça aime les poissons, ça aime les beaux poissons. Non, Magikarp. Oui, pourquoi pas? C'est un concept. Pourquoi pas? Hein? C'est comme si je sais pas moi, un dracologue, il aimait que les mini-dracos, sans les faire évoluer. C'est complètement con. C'est comme si Peter, il avait qu'un Magikarp, du coup, parce que forcément, c'est avant Ligator, quoi. Enfin, c'est un peu ridicule, je trouve. Moi, c'est pas grave, hein. J'en veux pas, hein, mais c'est pas grave, hein. Oula, oui, on va faire gaffe, là. On va faire gaffe. Pokémon Doug. Ah oui, aussi, je voudrais préciser, vous avez vu au générique que le générique, enfin, que l'image générique de fond n'est pas la même que le fond ici. C'est-à-dire que le Narax a fait un magnifique dessin sur moi avec Frankie en... en mode n'importe quoi. Et j'ai décidé de mettre ça en générique parce que c'est tellement épique. Du coup, je remercie Generax, hein, même si c'est le joke que je remercie pour ça. Parce que ça m'a fait tellement marrer, ce truc. Vous savez, dans les mangas, tu sais, quand le personnage délire et lève une table pour je sais pas trop quoi, c'est japonais, quoi. Bon, on dirait qu'il fait ça, le personnage. Tu sais, quand il lève les bras, c'est genre... j'en ai marre Je sais pas, c'est... Et quoi, ça m'a fait marrer. Oui, je peux pas te combattre.
Alors je suis obligé de le combattre, évidemment, et je suis pas obligé d'aller là, évidemment. Jasmine. Moi je suis Aladdin. Et il est où le génie? C'est pas moi. Marine, ma. Non, je vais peut-être pas tous les cris des Pokémon. Ouais, coup critique dans ta gueule, ça va. Niveau 21, ça s'améliore les Pokémon. En plus, un Pokémon évolue à la base, forcément. Alors, je suis venu là pourquoi en fait. Vantardise, le truc qui me sert à rien. Le truc qui me sert à rien du tout. Évidemment. N'empêche, je trouve que le phare, je voulais vous montrer le phare parce que comparé à la Pokémon Horde de base, est carrément mieux faite. C'est-à-dire, on va à l'extérieur, on tourne autour, enfin, un vrai 3D quoi. Une vraie fausse 3D quoi. C'est. Non, j'adore cette version. Pour tout ce qu'ils ont fait en mieux. Je sais pas pourquoi ils ont pas gardé les améliorations qu'ils ont fait sur blanc et noir. Je comprends pas. Genre l'interface directement sur l'écran du bas, je vois pas pourquoi ils ont pas gardé ça, c'est totalement con. Après je peux comprendre qu'ils ont pas gardé les Pokémon derrière parce qu'ils sont moches. Bon, ils voulaient les cacher un peu, ça c'est normal. Mais là l'interface, bon, l'interface de combat a pas changé, mais l'interface des menus là, genre Pokédex, Pokémon, objet, stats, machin truc. Je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé ça, c'est pas logique. Au lieu de mettre leur truc moche de trucs internet qu'on s'en fout littéralement. Alors vraiment quoi, genre oh lol quoi. Genre oh lol, on s'en fout quoi. J'aime bien dire oh lol. Alors je dis oh lol. Je dis oh lol. Oui, Vitality Kainos a descendu, oh là 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 là, c'est dommage, bon tu crèves. Sans déconner. Pas que j'en ai marre, mais bon, j'ai pensé à autre chose qu'à Kainos, tu vois. Niveau 29, Finistère. Sans défense quand même le truc. Le Dug Dug. Alors. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Genre, on est dehors quoi. C'est pas l'innovation du siècle, c'est super moche. Là derrière c'est super moche. Mais j'adore. Super bon. Ouais, non. Non, parce qu'on m'avait proposé de mettre une autre règle, genre les super bonbons, c'est les... Ça m'aurait servi de rappel, en gros. Genre, si j'avais un super bonbon, un Pokémon KO, je remettais super bonbon et il était vivant, mais... Après, j'ai tellement de Pokémon d'autres que j'aimerais bien changer de Pokémon des fois, quoi. Comme là, j'aimerais bien changer de Pokémon, un peu. À la place de Migal, genre, je pourrais laisser crever dans... Ouais, remarque, je pourrais le laisser crever moi-même. Non, ça fait pas trop roleplay. Tu laisses pas un Pokémon crever, quoi. Enfin, pas trop, quoi. Ça se fait pas. Donc voilà, je sais pas. Parce que j'ai utilisé un Pokémon nul. Ça fait chier. Eh oh! Non, mais oh, eh oh. Non. La carpette. La carpette. Allez, petit fort, tiens, bon. Force pas, non, tu n'es pas KO, tu n'es pas KO. Bien. Elle ténèbre. Je crois qu'il me reste que deux Pokémon de potable. Alal. Krabi, oui, bah là, on change, hein. Voilà. Ah non, la planta, bah oui, la planta, bah oui. Je pensais qu'il me restait que mes deux Pokémon niveau 30, mais non, ça va, c'est tranquille. Krabi! Putain, je suis jamais allé voir ce Krabi. Krabi, c'est un Pokémon qui me fait délirer. Je sais pas pourquoi, c'est un crabe, quoi. Et en plus, un Pokémon, il suit, donc un crabe qui te suit, c'est génial. Et Krabos, avec sa grosse pince, ça qui te suit, c'est... Enfin bon. Moi, je trouve ça lol. Très lol. Papa. Ta. Bon. J'ai l'autre Pokémon, la planta.
Oui, on va essayer de pas trop les faire mourir quand même, hein. Ce serait ballot, hein. Oui. Oh, une huile! De l'huile de coude! Ah, là, là. Pardon. Est-ce que je peux passer sans? Non, je peux pas passer sans. Ouais, ici, c'est un super fort, ils sont enfermés dans une tour. Ah, là, là. Alors, combien de roucoules? Ah non, Pierfabek, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. C'est la même merde, mais en plus moche. Excuse-moi. Et en plus, j'ai... Tiens, Doug Doug. Ça t'apprendra. Oui, je chante comme de la mer. Ouais, ça va, hein. Je fais ce que je veux, hein. C'est mon émission, hein. Enfin, c'est ma vidéo. C'est pas mon émission, hein. C'est une vidéo, hein. Ça va, hein. Ça va, hein. Rapace de pique, c'est... Alors, ce Pokémon... Alors, j'ai joué version bleue, hein. Version bleu-rouge au début des trucs. Ce Pokémon, dans les versions bleues, ne ressemblait à rien. Enfin, son sprite, du coup. Je vous montrerai à côté. Moi, je trouvais ça comme une espèce de tyrannosaure, enfin, T-Rex, je sais pas. C'était assez bizarre comme Pokémon, je trouvais. Il y a des Pokémon comme ça que tu savais pas ce que c'était. Il y avait aussi, je sais plus quel. Je crois que les Pokémon de Piaf étaient bien moches, déjà. Je crois que Sulfura aussi était bien dans son genre. Et je me rappelle que Rapace de Pic était très très moche. Méga moche. Je vais changer de Pokémon. Je suis désolé Carpette. Je vais changer de Pokémon. Et il faut que je change de Pokémon pour la prochaine émission. Et il faut que je change. Je suis désolé. Voilà. Kuba. C'est où tu le tues? Je suis un peu... Je suis dans le cul, ok. Non, mais très bien, tu veux rester, on est très bien, c'est chiant. C'est qui Mayday? Mayday, je connais Payday comme jeu, mais pas Mayday. Oh, ta mère, maman, ça y est. Sérieux, quoi? Merde. Et encore un truc, hop là. Ouais, la planta, mais... Et elle sortait des Pokémon de combat, je pense que ce sont des Pokémon de combat. Alors, un Pokémon, Machoke. Ah non, Détarte. Hein. Pistolet à eau, moi je te fais fouet, Liane. Et j'ai un chat dans la gorge. J'ai un Miaouz dans la gorge, ouais, c'est plus classe. Restons dans le thème des Pokémon. Tu. Hypnose. Ah, comme je dis, c'est attaqué les plus débiles du jeu, quoi. Enfin, je trouve. Pas bon. Encore berceuse, oui, tu dors normal. Hypnose, non, tu dors pas. Théoriquement. Non. Bon, voici une fouelliane, si ça marche pas. Tornole dans ma gueule, évidemment. Tu pourras ne pas crever, toi. Enfin, même si j'aime pas les Pokémon plantes. Je me dis que tu crèves pas, en fait. Oui, je déteste les Pokémon plantes. C'est con à dire, mais je déteste ça. J'aime pas. Bon. Tu crèves vite? Ou tu crèves pas vite? Tu crèves vite, c'est bien. Bon, il me reste plus deux Pokémon, en gros. La planta. Bourré ratata. Oh oh. Bon. Vas-y. Genre, je t'ai fait, il ne voulait pas. Non. Quoi? La planta, il voulait plus? Mais qu'est-ce que c'est de bizarre? Oh là là. Alors, on va mettre Camus. Enfin, de l'épreuve, quoi. Non, mais non! Jean, c'est l'écureuil ou je sais plus quoi, le truc internet là, qui te regarde fixement. Ah! Bouchon! Ah mon dieu, non! C'est horrible! Un bouchon à la mer!
Vous avez vu ça que t'as surf? Oh, bordel. Eh bah, j'ai perdu un bouchon. Ah bah, ça c'est con ça. Ah bah, ça apprendra à jouer avec un stylo pendant que je joue, tiens. Apprendra. Puff. Ouais, je me puff. Non, je change pas de Pokémon là, non. Ça va, il ne les prend ni assez fort. Ça va. C'est vrai qu'il y a des Pokémon de combat dans le tas. Je savais. Je savais pas où, mais je savais. C'est tout, c'est tout. Allez, t'es tard, tu me fais pas chier, tu vas crever. Tranche, oui, ça peut être pas mal. Non, spi. Oui. Je suis aussi de Pokémon plan, Pokémon haut, hein, pour info, hein, donc. Donc bon, hein. C'est pas comme si ça allait me faire mal, avec ça. Hein. T'es con, hein. Oh non, il t'en a là, ma gueule. L'attaque des plus petites et des jeunes, non, il ne peut pas perdre contre ça, non. Pardon. Oula. Ouais. Vous avez été marrant, ouais. Fouille. Fouille. Je crois que ça résume un peu tout, hein. C'est fouille. Super au pouce, putain. C'est écrit super bizarrement, je trouve. Je sais pas, ça m'a choqué, là. Ah, le phare d'Alexandrie. Ah, lol. Faut bien que je fasse un jour, cette blague, hein. Entre le pharaon et le phare d'Alexandrie. Ouais, ça c'est risible de l'autre côté. Ok. C'était quand même enfermé quand même, hein, putain. Sérieux. Alors que je pouvais utiliser le. L'ascenseur. Hein. Une super potion. Youhou. Et bah, du coup, on l'a fait le phare sans trop de soucis, en fait. Ça c'est con, mais bon. Descente. Donc voilà. Du coup, 22 minutes. Pouah, on a le temps. Puis ça fera un gros épisode, hein, c'est pas grave. Vous en demandez à chaque fois, donc on fait, hein. Déjà, on va soigner les Pokémon, hein. Ça va être un bon début, hein. Mais déjà, on va. Non, déjà, j'y surf, hein. ça va être pas mal, hein. Oui, pas mal. Non, en fait, je vais capturer un premier Pokémon dans l'eau. Parce que je vais aller dans l'eau, aller à Arisia. On va se battre contre le champion d'arène, hein. Je crois que c'est assez chiant, sa arène, hein. C'est un peu chiant lit, comme dirait, je sais pas qui. Ta mère. Donc, machin, on va dans la mer. Alors, oui, je vais faire surf, oui. Alors, les Caminus qui se ressemblent en Wellmer. Ouh. Ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que je vais capturer, du coup? Tentacruel? Sérieux? Ah bah, je le veux, ouais, carrément. Attends. Ah, oh, putain. Ça fait penser au Japon dans Dead Space. Peur. Peur moustache. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non. Un nez. Ultrason, oui, c'est une bonne guerre, j'ai envie de dire. Ni confus. Acide, ni poisonné. Ni confus. Ni faire mal. Attends, j'ai perdu mon nid, ça. Ah, pic toxique. Oh, l'attaque de chien, quoi. Mais non, mais t'as... Chien. Tu attaques. Mais pourquoi tu fais ça? T'es moins où les chiens? Voilà. Compliqué. J'ai appris. Bon, il faudrait ça qu'il fasse pas trop mal. Carpette. Carpette, si je fais une... Il n'y a plus de pic toxique. C'est génial. Merci Carpette. Coup de ténèbres. Genre 28 PV, ça ira. Tu vas pouvoir survivre. Normalement. Ouais. Allez, encore un petit autre.
ténèbres. Non, franchement, quand DJ évolué, ça serait pas mal en fait. Ouh, oh oui. C'est pile poil, hein. Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai acheté des Pokéball, moi? Oui, ça va. Super. Pokémon Go! Oui, je sais pas pourquoi je fais B en haut plus A. Réflexe de merde. Le truc, c'est que ça marche. Enfin, ça marche. Non, même pas, mais. Vous savez, ce réflexe quand vous avez votre Game Boy et votre mode d'être pillé sur des touches pour essayer de capturer un coup sur le Pokémon. Chacun sa technique, hein. Des fois, c'est appuyer sur A toutes les... à chaque fois que ça balance un Pokéball. Appuyer sur B en haut pour faire genre c'est une Master Ball. Alors que c'est complètement con, mais. C'est mental, c'est tout. Attends, ta cruelle, ben. J'ai pas trop le choix de l'appellation, hein. Japon! Je suis obligé, non mais sérieux. Je suis obligé, quoi, Japon. Attends, les tentacules, c'est forcément un Japon. Attends. Ah, écoute, attends. Du coup, je peux y aller comme ça ou pas? Je sais plus. Oui, je peux y aller comme ça. Du coup, je vous dis. A tout de suite, je vous retrouve un peu plus tard, on va directement aller sur l'île. Je vous passe la traversée du... Oula, lag. Non, je vous passe la traversée de l'océan, puis on se trouve tout à l'heure. A tout de suite. On l'évite, on esquive. Et merde. Ah, scheisse. T'as la flemme ou quoi? Oh mon dieu, il m'a traité de flemmard, mon dieu! Oh, la baffe quoi, la classe! Je veux un tartan, ok? Oh non! Sérieux? Non! Genre le pas de bol quoi, sérieux! Plusieurs fois que je me suis dit fleur en premier, je suis con! Alors, tu expliques comment tu sors de la Pokéball alors qu'il est censé être sous toi en train de faire surf? Bon, je vais m'expliquer un jour. On y est. Il y a ta coquillasse. Son sprat. Mon dieu. On dirait un gamin qui va. Il fait une grosse grimace, quoi. Il tire la langue, il ferme les yeux un peu trop, tu sais. Tu me fais marrer. J'aime bien que je parle dans le vide parce que ça passera pas sur la vidéo. Toi, je t'ai vite Et donc, creux, on se trouve à Irisia, ville capitale de la Irisiatitude. Non, je dis pas de la merde, c'est pas vrai. Mensonge. Donc, la traversée s'est faite sans trop de mal, hein, on va dire ça. J'ai eu quelques dresseurs à combattre, hein. Deux pour être précis, ou trois. Je sais plus, c'est pas grave. Et donc, je sais pas du coup si je vais faire la reine ou pas, parce que j'ai vu un peu le niveau pendant que je combattais. Oula, ça rame là par contre. Ça rame ici. Là oui, par contre là il y a le truc de Suicune. De Suicune. Suicune. On m'en fout. Il y a le connard de chat. Ou de chien. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais d'abord ça? Bon, de toute façon je fais d'abord ça. Ouais, genre, ah Suicune, tu l'as, coucou. Tu te bats, connard, saloperie. Hein, il fait la fête et tout. Au revoir, Suicune. J'adore cette musique. En plus avec celui El Cazo. Ça fait trop quoi, trop bien. Yeah. En garde El Cazo. Hey muchacho, hey muchacha, hey da calapusa. Make mystère. C'est pas la carte mystère, c'est le mec mystère. Il porte un... Un cagoule avec un point d'interrogation dessus, c'est le mec mystère, c'est... Non. Non, je ne dis pas de la merde. Mensonge. C'est un mensonge géanté. Oui, madame, oui, monsieur. Non, mais... Hein.
Chuck Mantel. Merde, Chuck Mantel. Non, 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 non. Bon. Combat. Là, je suis sûr de te pogner la gueule. Eh oh. Bon, ben, au revoir, Miga, du coup. Ouais. Bah, je pensais t'avoir avec ça, mais en fait, non. Bah, du coup, vous aurez le Pokémon que je voulais. Voilà, hein. Je suis content. Presque. C'est un peu chiant que le Pokémon soit mort, mais moi, je suis content. Dicota, ça va. Dicota, juste pour te... juste pour te troller. Genre, je peux te tuer avec un... avec ça. T'es nul. Tu es avec un ligotage. Ligoté, ligota. Spectrum. Spectrum de la mort qui tout. Ni. Ni. Nigo. Moi, Mimi, Gal, au revoir. Du coup, le Pokémon prochain sera aussi un Pokémon insecte. Vous allez vite savoir pourquoi je le veux, ce Pokémon. Regarde, noir, oui, non, mais je veux pas me fuir dans ce sens. C'est mort. C'est toi qui voudras fuir après. Hein. Voilà. Donc, oui, j'aurai un Pokémon insecte. Bien, bien faible. Hein. Comme vous les aimez, hein, mais encore plus que vous pensez. Oui, malédiction de toi. Oui, c'est plus facile de tuer comme ça. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir, président. Au revoir, au revoir, président. Pardon. Yay. Non, non, je suis malédictionné. Non. Électrode. Électrode. Oh putain, je fais super bien. Oh, je m'aime. Bisous. Oh, bisous. Oh oui. Oh, oh oui. Oh, bisous. Cette scène est censurée. Ah, j'ai pas de séisme, merde. Ah, c'est con. Ah oui, grince-moi la gueule. Ah oui. Non, tu ne rates pas. Non, c'est pas vrai. Allez, tu tombes roche. Sonic Boom, Sonic Boom. Enfin, je trouve la musique, tiens. Chaque fois qu'il y a des Sonic Boom, je mets la musique. Sérieux. Ouais, tempête de sable déjà. J'aime pas ça, toi. J'aime pas trop ça, là. Souplesse un peu. Oui, de toute façon, la dernière fois que je le fais, après, je casse. Hein. Le Sonic Boom, pour information, ça enlève juste 20 PV à chaque fois. En plus. Une bonne raison de le faire casse-casser. Par contre, à la place de qui? Non. Non, non, non. La planta a autant de PV que Doliprane alors qu'il est 3 niveaux plus. Non, je vous le dis. La planta. On va un peu paralyser, on va un peu le faire chier, tu vois. Salut pas. Il a que ça comme attaque, je crois. De toute façon, c'est un des seuls Pokémon qui peut pas prendre tonnerre, je crois. C'est le seul, en fait, je crois. Je suis pas sûr, hein, mais... De toute façon, j'ai dit grosse connerie. Fatal Foot. Alors, c'est pour Fatal Foot, ça, c'est sûr. Ce n'est pas très efficace, ça se voit. Bon. Et top. Oh non, 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 non. Putain, merde. Oh, je pensais plus à ça, moi, sérieux. Bon, pour brûler parce que les deux autres sont super faibles face à l'électricité, quoi. Et ben, du coup, il y aura deux Pokémon de plus. Hein. Allez, tu le tues. Même pas. Ah non, mais non, mais non, t'es pas drôle, là. Là, tu commences à être chiant. Oh, putain, la vache. Bas. C'est bon. Et quand on fait face à la foudre, il... Hein. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, on ne fera pas le... C'est sûr, maintenant, on ne fera pas le... l'arène tout de suite, hein. On va attendre que j'ai mes deux Pokémon de près, hein. Les autres Pokémon, hein.
Est-ce que je vous les montre maintenant? Parce que là... Oh, ta gueule, maman, ta gueule, ta gueule. Ah oui, vous avez pas vu mon truc rose? C'est chimé. Allez, oui, ta gueule, tu dis ça à chaque fois, ta gueule. Du coup, ouais, je vais vous montrer les Pokémon que j'ai, du coup. Que je vais utiliser à la place de mes deux morts, quoi. C'est qui est bizarre, là, quand même, un peu, hein. Un peu. Donc, déjà, on va relâcher les Pokémon. Attends, on va relâcher les Pokémon sans qu'ils aient mes objets, hein. Pendant l'eau. Voilà. La plante à carpette, au revoir. Non, ça c'est fait. Déplacer. Voilà. J'ai un chenipan qui s'appelle Aizen. C'était obligé. C'était obligé que j'ai ça. Et je vais prendre aussi ce prolifique qui s'appelle Pommade. Mais Pommade écrit bien, bien sainement, quoi. C'est. C'est deux Pokémon que j'ai capturés avant de reprendre le display. Enfin. Que je capturerai en plus, quoi. Donc voilà. Ouais, ça me fait plaisir. Donc la Mimigan, machin, truc. Ah oui, aussi, il faut que je relâche aussi Togepi, qui me sert plus à rien. Donc voilà, on va... Donc, la semaine prochaine. Bon, enfin, pour la semaine prochaine, je vais entraîner sur deux Pokémon-là. Aizen et Pommade. Aizen va devenir mon Pokémon préféré, hein, évidemment. Hein. C'est Aizen, quoi. C'est super puissant, quoi. On dirait pas comme ça, mais super... Wow. Super réfléchi, quoi. Donc, aussi, je voulais... Attends. Non, c'est pas ça. Non, mensonge. Non. Je voulais quoi? Ça. Voilà. Relâcher. Oui. Et on va relâcher aussi... la planta. La planta, au revoir. La planta, au revoir. Et au revoir aussi, Togepi. Ça me fait chier, mais au revoir, Togeking. Ça fait carrément chier, hein. Franchement. J'aime bien Togepi, hein. Tant pis. Donc juste pour garder le truc, on va garder comme ça les Pokémon. Pour dire que j'utilise dans l'ordre, hein. C'est tout. Bon, je sais pas, je ferai ça en off, mais c'est juste pour montrer que j'utiliserai les Pokémon dans l'ordre. Donc voilà, c'est là où je vais vous dire au revoir, parce que je pense que c'est un bon épisode, hein. Ça fait 40 minutes que je tourne, mais ça va faire à peu près 35 pour vous, je pense, hein. Vu que ça fait que 5 minutes, oui, je pense. Du coup, c'est une musique calme et douce et pesante et paisible quand je vais vous quitter. Je vais vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Ouais, non, les paquets, c'est juste bizarre, hein, quand il y a du bignot après. C'est conceptuel, quoi. Voilà. Tchou!